Demain, c'est le procès de Pierre Palmade qui s'ouvrira, un an et demi après le tragique accident qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants et en état de récidive. Il risque 14 ans de prison. L'homme qui a été blessé avec son fils et sa belle-sœur qui a perdu, elle, son bébé, témoigne du cauchemar qu'ils vivent depuis. C'est avec Florence de Juvigny et Pierre Limpense. 21 mois depuis l'accident. Yüksel Yakut, d'origine kurde, ne peut toujours pas marcher ni travailler. Des douleurs permanentes. La plus profonde, la souffrance de son fils Devrim, 6 ans. Mon fils ne va pas bien du tout. Il ne veut plus sortir dehors. À cause des cicatrices qu'il a à la tête, il a mal en permanence. Le 10 février 2023, Pierre Palmade est au volant de sa voiture sur cette route. Il chevauche d'abord cette ligne blanche, puis quelques kilomètres plus loin, se déporte soudain à gauche et percute cette voiture grise qui arrive en face. À bord, Yüksel Yakut, son fils Devrim et sa belle-sœur Mila, enceinte de 6 mois, leur pronostic vital est engagé. Les deux passagers de Pierre Palmade quittent les lieux à l'arrivée des secours. L'humoriste, lui, est grièvement blessé. Son dépistage au stupéfiant est positif. Cela fait 3 jours, entre Paris et sa maison de campagne, que Pierre Palmade fait la fête, prend de la drogue sans jamais dormir. Un mois plus tôt déjà, il reconnaissait son addiction. Je suis en ce moment dans une période où ma toxicomanie détruit ma vie. Il est poursuivi pour blessures involontaires. Dans l'accident, la passagère enceinte perd son bébé, mort-né, donc pas un nourrisson encore aux yeux de la justice, inaudible pour l'avocat de la famille. On a une dame qui était enceinte, qui était sur le point d'accoucher. Elle avait donné un prénom à cet enfant. Les affaires étaient achetée, la chambre était prête. Face aux enquêteurs, Pierre Palmade dit ses regrets. Je suis complètement catastrophé d'avoir mis en danger la famille que j'ai percutée. Je suis obsédé par ça, par le bébé qui est mort. Il risque jusqu'à 14 ans de prison et 200 000 euros d'amende, une peine alourdie en raison d'une ancienne condamnation pour consommation de stupéfiants. Ses passagers, eux, ne sont pas poursuivis.